Merci beaucoup d'être venus si nombreux. C'est impressionnant cette salle, c'est fou. On a toujours évidemment un peu de mal à démarrer devant tant de personnes. Bon, je viens juste de me réveiller. Bon, je suis encore dans mon lit. T'es la première personne à qui j'avais envie de parler. Nous sommes jeudi. Quatre jeudis avant que j'aille te voir. Mais je pense que depuis deux semaines, je n'étais franchement pas bien émotionnellement. Et il a fallu que je me batte un peu avec moi-même, que je me secoue pour trouver l'énergie. Jamais, jusqu'à Saint-Didier au Mont d'Or, où il fut. Le savez-vous qui avait parlé de Saint-Genis-Laval? Le savez-vous qui avait parlé d'Oulin, où ils furent plus de 1000 massacrés dans le dos, à la mitrailleuse, achevés à l'arme blanche, et là encore, nulle trace de piété. On nous parle souvent de mémoire, mais un peuple perd la sienne quand il oublie le sacrifice de ses soldats. Eh bien, régnez, cruel, contentez votre gloire, et je ne dispute plus ce j'attendais pour vous cruel, que cette même bouche après 1000 serments de l'amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche à mes yeux savante et fidèle m'ordonna elle même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien, je dis bien l'aile dorée à 9,95 le kilo au lieu de 12,95. Profitez, approchez. Oh.
Et je dirais même en vous regardant, la lâcheté. La lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Je le redis, la lâcheté. Dans ce contexte, monsieur Hollande, il y a trois contradictions dans ce que vous avez dit. Trois contradictions. Trois. Réécoutez. Un. Archivé. Deux. Suivant. Hier. Aujourd'hui, à 9h37. Oui, bonjour, monsieur Constantin Le Fils, c'est Madame Colombe. Serait-il possible de me recontacter de toute urgence, je répète, de toute urgence, ce jour, à l'écoute du message. Je suis votre nouvelle conseillère, Madame Jana, et je voudrais donc faire le point rapidement avec vous avant de clôturer donc votre compte. Donc, merci de bien vouloir me rappeler de toute urgence, je répète, de toute urgence. À défaut d'appel aujourd'hui, au plus tard lundi, je résilierai le compte. Donc, voilà.